Comme je pouvais m'y attendre, les branquignols de la Terre plate sont venus critiquer mes précédentes vidéos, celles sur les avions qui disparaissent dans les temps de Ber. Ou celle sur la skyline de Chicago, qui disparaît derrière l'horizon du lac Michigan. Nombre d'entre eux ont proposé une théorie alternative à la courbure de la Terre, l'effet Loop. Et pour cela, ils m'ont renvoyé aux vidéos de Rob Skiba ou de DITRH, voire à leur traduction française par ITV, l'escroc de la Terre plate francophone dont la chaîne vient de disparaître. Ah, l'effet Loop! Ça n'a rien de scientifique. C'est une invention de quelques platistes américains, reprise sans aucune précaution par les moutons de la terre plate francophone. L'effet loupe, c'est cette théorie stupide, délirante, débile, selon laquelle l'atmosphère se comporte comme une lentille de Fresnel, et cela explique la disparition des objets derrière l'horizon. Avec la perspective, c'est la grande contribution des platistes à la science loufoque de la terre plate. J'ai donc, moi aussi, installé un petit laboratoire d'optique sur ma table avec une lentille de Fresnel, un soleil bougie, une skyline et quelques autres objets qui serviront, à la fin, à dévoiler la supercherie de Robskiba, de DITRH et de nombreux autres platistes. Je ne vais pas vous expliquer en détail le fonctionnement d'une lentille de Fresnel. Je vais me contenter de reproduire les observations de nos truands de la Terre plate. Bien, bien, bien. Le bas de la skyline a disparu. On aurait donc une explication alternative à la courbure du globe. Pas si vite, car l'effet loupe des platistes réserve une belle surprise. Ils vous font regarder le bas de la skyline, mais ils oublient de regarder le haut de celle-ci. Alors comparons deux moments de l'effet loupe. Vu de près, je repère le centre de la loupe avec ses deux diagonales et le sommet des tours les plus élevées. Et je fais la même chose vu de loin. Puis je compare. Le haut des tours est resté strictement au même niveau. Ce qui signifie que l'effet loop des platistes fait disparaître ce qui est en bas de l'image et ne modifie en rien ce qui est en haut de l'image. Soit dit en passant, cela voudrait dire qu'avec cet effet loop-là, le soleil ne pourrait jamais se coucher. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous réserve la surprise pour plus tard. Je vais donc vérifier ce point crucial de la théorie de l'effet loupe platiste sur une photo prise à Martigues. Au premier plan, il y a les pistes de l'aéroport de Marignane, vues à 13 km de ma position sur la plage de Ferrières à Martigues. D'après les platistes, l'effet loupe explique pourquoi les avions qui décollent sont masqués partiellement lorsqu'ils roulent sur la piste. Mais au loin, on voit la montagne de la Sainte-Victoire. D'après la théorie de l'effet loupe, elle ne doit pas être affectée. Cela tombe bien, je peux le vérifier et les calculs sont simples à faire. La photo est prise au 300 mm, soit 486 mm équivalent, avec un capteur APS-C. Le point le plus élevé de la Sainte-Victoire, que je vois sur la photo, est situé à 47 km et 250 m de ma position et il culmine à 1010 m. Ce n'est pas le pic des mouches, haut de 1011 m et situé 2,4 km plus loin, car il est masqué par cette antécime. Un calculateur de champ m'indique qu'à cette focale, mon cliché mesure 2,83 degrés en hauteur pour une taille de 4000 pixels. Sur une terre plate, l'angle sous lequel je devrais voir le sommet de la Sainte Victoire par rapport au niveau de l'étang de Berre serait donc de arc tangente de 1,01 divisé par 47,25, soit 1,22 degrés. Ce qui situerait le sommet de la Sainte Victoire ici, plus haut que dans la réalité. Et je peux même vérifier que cette différence est cohérente avec le globe. Avec un indice de réfraction moyen de 7 sixièmes, 130 mètres de la Sainte-Victoire doivent manquer à l'appel, ce qui représente 223 pixels. Et sur mon cliché, je mesure 210 pixels. Tout est donc cohérent avec la géométrie d'un globe. En revanche, l'effet loupe des platistes a du plomb dans l'aile. Dans un second temps, Robskiba et DITRH simulent avec leur loupe le coucher du soleil. J'ai donc essayé moi aussi, en reprenant le même dispositif expérimental que pour la skyline. Un soleil haut dans le ciel et la caméra qui recule. Rien. Le soleil ne se couche pas. Là, les platistes ont un énorme problème. Car si l'effet loupe fait disparaître le bas de la skyline, il rend impossible le coucher ou le lever du soleil. Pour réussir à reproduire le coucher du soleil, les platistes modifient le dispositif expérimental. Ils laissent la caméra fixe proche de la lentille de Fresnel et ils reculent le soleil. D'un point de vue méthodologique, un tel changement du dispositif suffit à discréditer l'effet loupe des platistes. Mais bon, passons sur cette broutille et allons jusqu'au bout de cette nouvelle démarche. Maintenant, effectivement, le Soleil disparaît. Mais il grossit. De 19% chez Robskiba et de 58% chez DITRH. Robskiba le constate d'ailleurs, mais il prend soin de minimiser ce grossissement. On peut aussi remarquer que sur ma propre séquence vidéo, le Soleil qui ne se couche pas grossit lui aussi de 10%. Ici, Robskiba et DITRH se contredisent. Comme tous les platistes, ils prétendent qu'en se couchant, le soleil raptisse, mais les loupe montrent l'exact contraire. Une contradiction de ce genre, dans la vraie vie, ça vous atomise une théorie. Pas chez les platistes. Pour eux, ce genre de contradiction est une pécadille. Bon, admettons. Alors j'ai repris deux de mes photos d'un coucher de soleil sur la Méditerranée vu depuis Notre-Dame de la Garde à Marseille. Elles ont été prises à 5 minutes d'intervalle, et toutes les deux à la focale de 300 mm, comme en attestent les données exif des fichiers. Si je compare le Soleil dans sa largeur, les deux diamètres sont rigoureusement équivalents. En revanche, les deux diamètres en hauteur diffèrent d'environ 7%. Mais le Soleil n'a pas grossi en hauteur, il a au contraire raptissé. Plus le Soleil est proche de l'horizon, et plus il se tasse en hauteur ce qui est totalement incohérent avec l'effet loupe de Robskiba ou de DITRH. La conséquence principale de l'effet loupe des platistes, c'est de faire grossir les objets au loin. Le soleil, mais aussi la skyline. Cela, les truands de la Terre plate se gardent bien de vous le montrer. Mais sur ma skyline, dont le bas disparaît, les distances entre les gratte-ciels augmentent. 23%. Ce n'est pas rien je vais donc vérifier si cet effet existe dans la réalité avec la skyline de Chicago vue depuis Michigan City. Pour cela, je prends comme repère les tours Willis et John Hancock. Elles sont situées à 2 ,450 km 450 l'une de l'autre. Mais comme je les vois depuis Michigan City, il me faut en connaître la distance projetée sur la perpendiculaire à l'axe de visée entre ma position et la skyline. C'est un simple calcul de cosinus et cela donne une distance projetée de 2 km et 405 mètres. Ma photo de la skyline de Chicago a été prise, selon les données exif du fichier, à la focale de 218 mm. À cette focale, je sais que l'objectif ne présente plus aucune distorsion. Je vais donc pouvoir faire des mesures géométriques simples sur la photo elle-même. La plage de Michigan City est située à 62 km et 350 mètres de la tour Trump. À cette focale, l'angle de champ du cliché est de 5,83 degrés horizontaux et de 3,89 degrés verticaux. Et pour des objets situés à 62 km et 350 mètres, cet angle de champ correspond à une scène de 6350 mètres sur 4230 mètres. Il ne me reste plus qu'à mesurer sur la photo elle-même la distance séparant les tours Willis et John Hancock, 2263 pixels. Une simple règle de 3. 6350 mètres que divise 6000 pixels multipliés par 2263 pixels donne une distance entre les deux tours de 2395 mètres. Alors que la distance réelle, projetée sur l'axe perpendiculaire à la ligne de visée entre Michigan City et la tour Trump, est de 2405 m. La différence est de 10 mètres, soit 0,4%. L'effet loup de Robskiba ou de DITRH qui fait augmenter la taille des objets au loin de 19% ou de 58% N'existe donc pas dans la réalité. La taille des objets en largeur, le soleil qui se couche, ou la distance entre deux tours de Chicago, n'est absolument pas affectée par la distance qui m'en sépare. Mais il y a plus. Sur toutes les vidéos montrant cet effet loupe, chez Robskiba ou chez DITRH, j'ai remarqué un fait étrange. Elles sont systématiquement filmées sur des fonds uniformes. Ce que j'ai fait moi aussi. Mais après avoir vérifié que je voyais ce que montraient Robskiba et DITRH, j'ai retiré mon fond uniforme, derrière lequel j'avais préparé quelques objets aux formes reconnaissables. Et j'ai poursuivi les expériences en reculant beaucoup plus la skyline. Et voici ce que cela donne. Lorsque je commence à éloigner la skyline, la caméra voit se rapprocher les tours jusqu'à devenir énorme, puis à disparaître. Rien d'anormal à cela, c'est ainsi que fonctionnent les lentilles de Fresnel. Et puis les tours réapparaissent, elles s'éloignent, mais avec la tête à l'envers. Et si maintenant, avec la bougie représentant le soleil, je positionne au micropoil la scène, c'est avant même que j'éloigne la bougie que la supercherie saute aux yeux. En arrière-plan, le monde a la tête en bas. A-t-on jamais vu le monde réel comme ceci C'est pourtant ainsi que l'effet loupe des platistes le fait apparaître. Avec leurs fonds uniformes et leurs tables vides de tout accessoire, Robskiba et DITRH ont volontairement caché les effets réels d'une lentille de Fresnel. Robskiba et DITRH ont fait comme moi, ils ont tâtonné. Et ils se sont rendus compte qu'une lentille de Fresnel ne montre pas le monde réel. Ils ont alors construit leur dispositif pour tromper les YouTubeurs. La présence des fonds uniformes est la preuve accablante de leur tromperie. Dans sa présentation, Robskiba prétend montrer son expérience de telle sorte que tout un chacun puisse se rendre compte qu'il ne triche pas. Tu parles. Robskiba et DITRH masquent soigneusement les incohérences de leurs dispositifs expérimentaux et leur tricherie et les moutons dociles de la terre plate gobent sans broncher les mensonges de leurs gourous pas un seul d'entre eux n'a repris les expériences pour comprendre comment elles avaient été construites et par là même découvrir ce qu'elles cachent gober toute crue des vidéos qui prétendent montrer que les scientifiques mentent est une posture bien plus facile et confortable que d'ouvrir les yeux sur le monde réel et tenter de le comprendre pour ma part, j'ai dépensé trois euros pour acheter une lentille de Fresnel et j'ai passé une soirée à reconstruire ces observations pour en comprendre les biais. Robskiba, DITRH et de nombreux autres platistes ne sont rien d'autre que des escrocs, de faux savants. Faux savants et faux prédicateurs, car derrière la terre plate, ils cherchent à vous embrigader dans leurs groupuscules évangéliques fondamentalistes. Faux dévots, faux croyants, pour eux la bible est sans pitié bon et bien maintenant que j'ai démoli les féloupes des truands de la terre plate il ne me reste plus qu'à explorer les mystères de la réfraction atmosphérique